Ce mardi 31 janvier, nous inaugurons donc le nouveau bâtiment d'enseignement supérieur que Rouennais Agglomération a décidé de construire pour les étudiants rouennais, leur offrir davantage de capacités, de places et pour pouvoir accueillir demain aussi de nouvelles formations. C'est plus de 3000 étudiants qui viennent apprendre, se former sur le territoire de Rouennais Agglomération. Et dans ce campus donc, universitaire Sainte-Pierre-de-Manès-France, c'est plus de 1600 étudiants qui se rassemblent et qui vont ainsi bénéficier de ce nouvel outil. C'était un moment important puisque c'est un investissement de 6 millions d'euros pour lequel nous avons été soutenus par la région, par le département et dans une très moindre mesure par l'État. Mais c'est un investissement important pour l'agglomération parce que c'est un investissement d'avenir pour les étudiants et pour les entreprises. Les entreprises rouennaises recrutent, elles ont besoin de jeunes qui soient formés en enseignement supérieur, en enseignement qui est peut-être des fois plus technique, mais nous avons besoin de ces outils. Et c'est la raison pour laquelle nous investissons beaucoup avec mon vice-président Romain Bost, vice-président de Rouennais Agglomération en charge de l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau départ et nous espérons qu'il y aura d'autres projets qui viendront ainsi offrir une nouvelle palette d'enseignement supérieur sur notre ville.